Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Jetso Gaming pour la suite de WWE. Voilà, donc on était avec, enfin là je suis parti sur Bilal sur ses attributs, techniques, attitudes et les achats pour améliorer un peu l'attribut vu qu'on a gagné quelques PA la dernière fois. Donc je vais améliorer quoi? Je vais regarder ce qui est le plus faible entre guillemets. Là on a du beaucoup de 40. Je vais tout vite faire. Ok, donc je vais améliorer la vitesse de prise. Ça 50. Vitesse frappe. Déplacement. Puissance jambes 50. Bras 50. Portée aérienne, allez, on va mettre à 45. Attaque aérienne 45. Soumission technique 45. Brutale 45. Puissance de course 45. Puissance de prise, ça par contre, je vais mettre 65. Enchaînement. D'accord, je peux pas améliorer. Enfin, je peux l'améliorer, mais pas grand chose quoi. Contre-prise. Voilà, on va mettre le reste là. Voilà. Ok. Ensuite, technique. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je vois, il va costume qu'on aura 5000 VC. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore assez. Et attitude, c'est pareil. Il faudra regarder ce que c'est. Moi, c'est de nouveaux trucs en fait. Nouvelle prise, enchaînement, etc. On verra ça la prochaine fois. Donc là, on était rendu là. La dernière fois. Avec Kin Regal qui nous avait marqué waouh, t'es meilleur que ce que je pensais. Tout le monde parle de toi dans la vestiaire. En fait, il y a même quelqu'un qui veut t'affronter. J'arrangerai une rencontre entre vous deux, t'en fais pas. Donc, ok. Donc, on est face à The Stucker. Bon, je sais pas si je prononce correctement les noms, mais. On va dire que l'anglais et moi on n'est pas très très copains, on n'est pas très très amis, donc donc voilà quoi. Donc quand on sera copains, peut-être que j'arriverai mieux à prononcer les mots, mais les noms. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il faudra faire avec. En même temps, j'ai jamais été copain avec l'anglais, donc même à l'école, hein, ça n'a jamais été mon fort, loin de là même. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, from France, the superstar Arden White. C'est ça qu'il faut changer aussi entre le A et le L. Normalement, il y a un point et t'es pas pris en compte. J'y pense à le faire, ça. Ça ferait mieux. C'est moins moche. And approaching the ring, Z-Dog. Son entrée, elle est pas terrible quand même, hein, je vais pas dire, mais bon, je préfère mon entrée quand même. Hein. Here we go, and this one's destined to be a human demolition derby. Fait comment quand personne ne bouge?
Ah ouais, tu commences comme ça, mon pote. Bah bien sûr. Perfect backbreaker right there. Nice move. He didn't need a GPS to find the mark. The big boot. Voilà. Over the top rope. And he lands hard outside of the ring. Alors mon garçon, on est en dehors du ring. What a beast the monster's been so far. And there's the release. What's going to happen now? I'm scared to ask. Oh, right to the gut. Whoa, whoa, whoa! Watch it, watch it! Four! What a clothesline! Five! Bilal, tu pourrais rentrer dans le ring, s'il te plaît? And he's heading back inside the ring. Voilà, on chope directement, bien en arrivant. Il y a une prise ou que faut que je change aussi, c'est pareil, parce que j'ai quelqu'un d'autre qui fait le catch. Et j'ai vu une très très belle prise qu'il faut absolument que je fasse. Ça va faire très mal, ça, je sens. Oh putain, la gueule dans le ring. Lateral press. Ouais, non mais. Là, j'ai eu peur, je me suis fait peur moi-même en fait. I don't believe the destruction we're seeing. This guy's just going from one painful move to another. Putain. He's putting those educated. Ah, puis lui quand il y va, c'est pas de main morte hein. You see this, Cole? This is important. Do you hear it? Oh man, so powerful. Bon alors, mon garçon. And that's a stiff kick. What a boot! Ça, j'adore ce coup de pied là. Franchement, bien dans le thorax là, bien un cache thoracique. J'aime beaucoup. Ça, c'est mort les licornes. Je m'en doutais. Ah putain, loupé. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Putain. Dans tous les matchs, ça va être mon dos qui va prendre. Non, c'est mort aussi, c'est mort. And did you hear the impact on that kick? Another stiff kick. Alors, tu te lèves, garçon. Lève-toi. Vas-y, viens te prendre ton petit coup de pied. Ah, le contre était sévère. Oh, out of nowhere. Voilà. Allez. Oh my word, what a nasty headbutt. Oh. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, trop tard, ça m'énerve à chaque fois. And momentum has changed hands once more. Allez, Bilal, lève-toi. Reversal. Ah là. T'as cru quoi, toi? T'as cru que... Putain, mais c'est quoi ce truc? C'est la revanche, ça, putain, mais... Elle était sévère, hein. Ah, puis comme c'est la première fois que j'ai ça, je savais pas où appuyer. He's going for the pin. Allez, bouge, dégage. Putain, mais lâche-moi, quoi. Oh putain, chance. Oh putain, la chance. The damage has definitely been done. Now it may just be a matter of time. Vous voyez un petit tombé, nous aussi? On va rigoler un peu. Can he score the pin? Non mais attends. Ah, petite soumission. On va jouer dans le même jeu que lui, hein, écoute. You're not gonna last long here. Now it's time to fight out or tap out, King. I guess he's done with that move. Yeah, but what's he gonna do next? Dropped. And that was a hard, on a combien? Ah, on a le coup spécial. This guy's just getting worn out. Putain, non! Hey, wait a minute, what's he doing here? Oh. His spine bending and cracking from that backbreaker.
That should do it right there. Ah, dégage. Uh-oh, look at this. Voilà, coup spécial. Voilà, bon brise d'eau là. Pas de soucis. D'accord, ok. Oh my gosh, what a slam! What an incredible lariat! He's setting it up. Allez, petit finisher. Whoa, he's measuring. Finisher chargé. Ah là! Grosse merde. And here we see it from this angle. And this has got to be it. Two, three. Et voilà, encore une victoire. Well, let's take a look at some of those highlights. On a pris cher. Franchement, on a pris très très cher. And here's just some of the action we saw during the match. Mais bon, de toute façon, plus ça va aller, plus les combats vont être rudes, hein. On s'y attendre. Highlight after highlight. Let's look at some of them right now. Et le tombé final. Je sais pas si c'est lui qui me parlait. Qui nous parlait, Régal, qui voulait nous combattre. Je sais pas si c'est lui, je pense que oui. Mais... Bon, match suivant. On va combattre contre qui? Bonne question. Eh, franchement, on est quasiment à 5 étoiles. J'espère faire moins, j'ai un 5 étoiles un jour, quand même, ça peut pas être mal. Donc on a gagné 3 abonnés, enfin 3000 abonnés. 140 PA et 3750 en VC. VC, on se rappelle que c'est le salaire, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Régal? Régal ou Build Mode d'ailleurs. D'accord, on n'a rien de plus. Bilal a vaincu The Stalker. Ok. D'accord. On y est, je te mets contre l'un des meilleurs gars du NXT. Prouve-moi que t'es capable de faire un super match pour le public du NXT et t'auras ta chance. Ah ouais! Contre Bo Dallas. Ok, ben on va montrer Bo Dallas qu'on vaut. Mais pas de soucis. On va lui montrer de quoi on est capable. Puis il y a une gueule de con ce mec, je trouve. Enfin, c'est la photo qui me fait dire ça, mais... je trouve ça affreux, quoi. Bon, je vais pas vous mettre à chaque fois l'entrée, mais... Par contre, je veux bien voir l'entrée de l'autre part, ça, c'est... And approaching the ring, from Brooksville, Florida, weighing 234 pounds, Bo Dallas! Alors, je vous avoue, franchement, je ne le connais pas du tout, ce catcheur. Mais en fait, la vidéo qui passe derrière, on a l'impression que c'est un peu un message de paix, finalement. Qu'est-ce qu'un mec qui veut la paix dans le monde vient foutre dans un catch? C'est pas logique, hein. C'est pas vraiment logique, mais bon. There's the bell, and here we go. The big boot connects. Voilà. Bon, paix ou pas paix, nous, on sait pourquoi on vient. Pour gagner.
et pour le mettre KO. Et merde, je fais trop tard. Oh, what an elbow drop. Merde. Ah mais tu vas me... Neither individual is gonna back down here. Voilà, dégage. What a vicious chop! A down big boot! Boy, did he get dropped! Non mais franchement... He drops the elbow. He's putting those educated feet to good use. What a beast the monster's been so far. He was one step ahead on that one. He anticipated that move perfectly. Oh, allez, voilà, on va le remettre un petit peu sur sur les rails. Look at this submission here. That surfboard causing so much pain. I can't wait to see what Bo Dallas does here. Yeah. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, l'arbitre? Putain, mais... L'arbitre qui fait des croche-pattes, quoi, normal. Y'a un qui choque. Oh, look at the emotion. Ah, le sourire de con, ça. Ah, le sourire de con. With a 180, Bo Dallas, the reversal. Ah, how the heck do you get up from that? Attention, sourire de con. Oh! Did you hear the impact from that clothesline? Merde, trop tard. A sharp elbow drop. Ah, il fait toujours les mêmes coups quand même. Hein. Merde, trop tard, encore une fois. Ah, je prends cher sur la cache thoracique, je prends très très cher. What do we got here? Oh, and he got dropped. Ah, c'est à la tête, tu dis la mal. Alors que j'ai pas fait beaucoup de coups à la tête, mais... C'est bizarre. Dodges to the side of that one. Merde, trop tard. Ah, ça pue pour ma gueule, ça. Oh, ça pue pour ma gueule. Putain. Aïe, 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 ça commence à être un peu plus dur qu'au début, hein, franchement. Voilà. He didn't need a GPS to find the mark. Oh, Cole, look at that. Now that's how you hurt an opponent. Ah, ça lui fait un peu de bien, ça. Allez, souplesse. Voilà. C'est au cul que t'as mal. Comment tu peux avoir mal au cul? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a trop tôt. Aïe aïe. He wasted no time going for the... No, he kicks out two. What a reversal. Look at that, Cole. Putain, il me donne du fil à retordre, comme on dit. Hein. Putain, The surfboard is being locked in, looking for the submission. Oh, he's got to do whatever he can here to try to break this hold. What is it that Bo Dallas is looking to do? Qu'il aime bien. Look at this point. On se piche pas. After all these shots to the head, I've got a feeling that soup's going to be on his diet for the foreseeable future. Allez, voilà. With a 180, Bo Dallas reversal. After all these shots to the head, I've got a feeling that soup's going to be on his diet for the foreseeable future. Putain, mais... Ah, shit. Ah, on est mal. On est très très mal. He's got him. The monster counters it. On va essayer un petit tombé. On va bien voir. There's the pin. Bo Dallas has decided to stay in this match. Oh, clothesline. Corde à linge. What a counter. Ah, bordel, mais j'en ai marre, il fait que me contrer, putain. Allez, encore à tomber. Voilà, dégage. You hear how his leg connected? Tu me saoules. Vraiment, tu me saoules.
Voilà. Allez. Voilà. Il faut qu'on reprenne, Dasson. Il faut qu'on reprenne le match. T'es pas chier. Putain, mais arrête là. Putain. Allez, dégage. Il n'y a plus qu'un, quoi. Putain. Allez, un petit finisher. Voilà. Putain, on a réussi à placer un finisher, je sais pas comment, mais... il doit en avoir un lui aussi. Non, il a un coup spécial. Oh putain, on a réussi. Alors là, j'y aurais pas cru. Ah, j'y aurais pas cru, franchement. Ah, on a pris très très cher. Oh, ah la vache. And here's just some of the action we saw during the match. Well, I don't know how you could pick out highlights from that match. The whole match was highlights. You want to talk about crowd pleasing? Take a look at the highlights from this match. Here is your winner, the superstar, Arden White. What an incredible match. That one could have gone either way. Nobody has anything to be ashamed of in this one. Ouais, franchement, j'ai bien géré le combat. Mais alors, franchement, je n'aurais pas donné cher de ma peau pour dire en plein milieu du combat que j'aurais regagné. Parce que franchement, je sais pas combien de tombées il nous a fait, mais il a au moins 5, ça c'est sûr. Par contre, j'ai fait pas mal d'étoiles, j'ai fait pas mal de choses. En même temps, voilà. T'as réussi, félicitations. Après toutes mes années passées à la WWE, j'ai jamais vu quelqu'un faire une entrée aussi fracassante. Les gens haut placés envisagent de faire participer à un match d'aspirant numéro 1 pour le titre NXT. Alors reste à l'affût. Hey, bientôt peut-être une ceinture alors. Ceinture NXT, bon, c'est pas quelque chose de grandiose, mais bon, hein, c'est quand même pas mal. Bon bah voilà, les gamers, on a fait nos deux matchs. Vous savez très bien que c'est des vidéos de... Enfin, les vidéos de catch, je fais que deux matchs. Deux matchs par deux matchs. Donc voilà, on a fait nos deux matchs pour la journée, entre guillemets. En espérant que, bah, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez. Mettre un petit j'aime, enfin voilà, ce que vous voulez, hein, y a pas de problème. Et puis ben, nous, on se dit à bientôt sur Just So Gaming pour de nouvelles vidéos, de nouvelles playlists. Voilà, allez, à bientôt.